Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Visage Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. Espérons que cette fois on l'a. J'arrive au bout, puis la porte s'ouvre pas, moi je comprends plus rien. Mais il y a un endroit où j'ai pas cliqué tantôt, puis peut-être ça aurait fonctionné pareil. Bon, là, elle s'ouvre. Là, on l'a. C'est tantôt, j'ai pas gardé ce qu'on devait cliquer. C'est que j'ai pas vu en tout qu'il y a ici. Ah, tu vois, on peut interagir avec les tapis. Et ça, je le savais pas. Il y avait peut-être quelque chose tantôt pareil qu'on pouvait, puis je m'ai pas aperçu. Non, c'est mon erreur. Ça fait ça. Je comprends pas plus. Ouais, j'avance, mais... Cette porte-là va-tu s'ouvrir? Est-ce qu'elle s'ouvre, là? Ouais. Ah, tabarnak! Ah, c'est ça, t'es l'autre bord, puis t'enlèves ça, on est bloqué. C'est ça qu'il y a derrière la porte. Ça, je me doutais, là, quand j'enlevais ça. J'aurais dû le dire tantôt. Je vois rien d'abord.
Vu les traces des griffes au sol, tu vois ça, toi? Je vois rien. Quelque chose là. Est-ce que tu mets pas dans la porte, ça aiderait là. Et je peux pas rentrer là-dedans. Si tu montes, je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer. Lui, je peux rentrer. Ça n'a rien à rentrer. Oh, une autre porte. Elle, on peut pas l'ouvrir, mais elle, on peut, puis elle, on pouvait pas tantôt. Les choses ont changé. Ouais, par là. Ah, il faut les clés rouillées. Bon, déjà là. Je trouve ces clés là. C'est pas là, ça. La clé. Je peux pas aller là. Il y a sûrement quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Je peux pas traverser. Une sauvegarde, hein, déjà. Bon, fallait pas le suivre. Et c'est pas tout le temps écrit dans le ciel, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ok. Fais le tour, il n'y a pas pu juste grimper, je sais pas. Bon, on est rendu dans le salon de nouveau. Y a des griffes. La télé, tout ce que tu me dis. Allume-les, c'est ce que ça dit. Bon, on est revenu à la base. Allez où l'escalier? Salle de bain selon toi? Il y avait de la lumière. Un briquet. Oh, 12 briquets là. Bon, plus moyen de l'ouvrir. Est-ce que j'ai pas vu cette... Ok. Ah, oh, flashlight. Pas dans le miroir, peut-être. Non. Ah, oh, flash dans le bain. Non, flash rien. On va le trouver. On est pris là dans une salle grande comme les fesses. Pourquoi il y aurait un briquet? Le coude?
Boeck, dessin. Boeck, dessin, c'est le fun, ça. Plus de lumière. Tabarnak. Bon. Va dans le bain, mon ami. Lave-toi. Cinématique, parce que pour ceux qui n'ont pas compris. Ah ben oui. Tout habillé. C'est sûr qu'elle va pas te sortir entre les jambes. Mets-toi la tête sous l'eau. Ok. Je pensais que c'était une... Lucy, le dîner est servi, viens vite. Lucy. Why would she do that? Pourquoi fait-elle ça? Elle aimait Pecco. Je l'ignore, elle n'a jamais rien fait de pareil. Nous, je pense que nous devrions aller voir un professionnel. Il a tué Pecco. Pecco, Pecco, et puis là. Pecco, Pecco, pas assis. Pecco, Pecco, puis là. Tu connais le diagnostic, elle est peut-être en danger. Nous n'avons pas vraiment le choix. Je sais bien, mais qui donc prescrirait des seringues à un enfant? Il ne pourrait pas simplement nous donner des médicaments comme tout le monde? Comment un enfant pourrait-il faire confiance à un parent qui lui met des aiguilles dans le bras? Ce nouveau médecin ne sait clairement pas ce qu'est d'être un parent. Le médecin s'appelait Charlie Nini. Je ne veux plus de leur aide. Elle va de plus en plus mal depuis que nous sommes allés voir ces fichus. Elle a des amis imaginaires, tellement comportements étranges. Elle ne m'appelle même plus maman. Elle essaie simplement d'aider. Ce n'est pas leur faute. Elle avait déjà des problèmes avant que nous les voir. Elle a tué Pecco, bon sang. Tu te souviens pas? Ils essaient de nous aider. Pecco. Pecco.
on part de nouveau dans le bain. Il est vraiment en train de se déshabiller pour aller dans le bain, là. Un bain de sang, bien sûr. Lucie, est-ce que tu... Ça va? Ouvre la porte maintenant, Lucie. C'est bon, est-ce qu'elle ouvre la porte, elle va être surpris? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est enfermée là-dedans, elle ne veut plus ouvrir. Ouvre cette porte immédiatement. Oh mon Dieu. Fais quelque chose, boss. Ouvre cette porte immédiatement. La mâchoire est gone. Elle se l'a arraché ou il l'a arraché? Et tout le monde s'enlève la mâchoire, c'est normal. Eh oui, c'est facile en plus. Mais t'as rien que la main sur la mâchoire parce que c'est tiré pour voir. Ah, elle a disparu, elle était là la mâchoire. Bon, je peux pas sortir. Bon, on peut pas sortir encore. Oh, là. Ah, il est là, mon choix. Tu as trouvé l'objet de progression. Un seul avant exposé dans la salle de progression. Bon, on a terminé cette mission de psychopathe, là. On l'a pratiquement terminé au complet tout seul, mais malheureusement, on est obligé de... utiliser l'Internet pour un petit endroit en particulier. Une fois que le chapitre est terminé, le jeu est loin d'être fini. Explorez la maison une nouvelle fois et vous découvrirez un nouvel objet clé qui vous ouvrira un nouveau chemin. Allez dans la salle de progression pour consulter votre degré d'avancement. Vous pourrez également commencer un nouveau chapitre. Est-ce que tu es seul? Malheureusement. Ouais, mais celui-là, il était pas facile, je trouvais, à trouver. Il fallait tu... Ça, je le comprends pas aussi, là. Ça va me causer des problèmes. Ouais, peut-être que je prenne un indice. Charger... Non, qu'est-ce que tu fais, là? Il manque une cassette. 1, 2, 3, 4, 5, il en manque une. Ça, je l'ai déjà vu. Je pense. Ouais, ça, je l'ai vu. La grille qui est dans l'espèce de cave. Là. J'y étais dedans déjà. Je me trompe pas, on a déjà fait ça. Je me rappelle pas d'avoir vu ça dans la vidéo. Ah oui, ça on a fait ça. Je me rappelle. C'est le contrat qu'on signe.
cassette-là, là. Il y a un endroit que j'arrive pas à reconnaître. Il faut que tu trouves 6 cadres. J'en ai trouvé 5. Il va y avoir une porte avec des chaînes. Bon, ça on a vu ça. Après ça, il va y avoir une espèce d'escalier roulant. Tournant, là. Je me trompe pas, là. Mais non, c'est pas ça. C'est pas là, l'escalier, je crois. Bon, là, il va nous montrer 6 images. Ah, oh, tabarnak. Pourquoi tu es assis dessus? Je pensais qu'il était là, ça m'a fait peur. Comme là, les cadres, là, on en regarde bien, on a 5. Là, ça dit qu'il faut trouver les 6 cadres. Là, il va nous montrer les images où les trouver. Ça, je suis pas sûr c'est quoi. Non, c'est après ça, c'est après ça. Là, il nous montre 6 images. Ça, je sais pas c'est quoi. Hein? Ça, je l'ai trouvé. Ça, je l'ai trouvé dans la chambre des parents. Ça, je suis pas sûr, celui-là. Ça, je l'ai trouvé. Et lui, j'avais trouvé. Mais lui qui a la chaise... Non, pour dire d'entendre... Le dernier, j'ai rien compris que c'était écrit. Non, t'as un cul le dernier, niaiseux. C'était drôle. Ça, je suis pas sûr c'est quoi. Ça, je l'ai trouvé. C'est la prochaine que je sais pas c'est quoi. Ça, je sais pas c'est où. Il y a une affaire de vierge, là. La vierge... Il doit pas en avoir un million, là. Un endroit avec une Sainte Vierge dans un coin, il ne devrait pas en avoir un million. Chaque fois que tu trouves des cadres, ça fait des affaires comme ça. Tu vois là? Elle me suit, soit cette. Là. Je pensais qu'il me montrait un endroit au début, mais non, il me montre pas un endroit, c'est... Bon. Comme ça, les morceaux de masse, c'est toutes les missions que tu dois faire. En trouvant les cassettes, ceux-là, c'est les 2 missions, il en manque une troisième qui est la béquille.
Mais vous voyez, il est mort ici. Il fait quand même des tâches. Des tâches de ne rien. Là-dedans, il y a une pièce secrète. On n'a pas trouvé la clé. La clé va nous permettre d'ouvrir la boîte et aller dans la trappe. Oh, il y a un autre là. Les maudites lumières, c'est tendu. Bon. Tu vois, la tâche a disparu du mur. Trouvons la Sainte Vierge. Ouais, peut-être. Ici, quand tu défonces le mur... Merde. Où la lumière? Est-ce qu'il marche plus? On va essayer de trouver la Sainte Vierge avant, là. Hey, tu me calisses, niaises-tu, toi? Bon. Ok. Espèce de statue de Sainte Vierge. Elle est quelque part, cette statue-là. Elle est pas dans le... Ça, c'est la clé dans le garage. Ça ouvre ça, vraiment. Juste qu'on peut pas l'ouvrir à cette heure. Ça, quand tu défonces le mur, tu rentres là-dedans, il y a une porte, il y a un gun. Chaque fois que tu te tires dans la tête, t'as un indice. J'aime pas ça. Pourquoi qu'il n'y a pas de... Bon, lumière. Qui est sorti. Ouais, la béquille, je vais le faire un peu après. Bon, la tâche a disparu. Ça laisse des traces, mais ça donne pas grand chose. Pas de santé mentale et mentale. Ok, wow, 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 wow. Mais t'as la lumière. On peut être plus à la lumière que ça, là. Les médicaments, j'en ai d'autres. J'en ai deux boîtes dans la chambre des parents. Là, fait.
boss pire. Attends, en haut. Une lumière ici, tabarnak. Elle est là. Ok, pourquoi la lumière? Pourquoi je viens comme ça là? Ah! Tabarnak, sortez au loup, toi! Encore mort. Qui était au-dessus de moi, c'est pour ça qu'il m'a tué, parce qu'il y en a un dans la cuisine que j'ai pas, j'ai oublié là. J'étais un coup dessus, puis... Il est là, là. Il m'a tombé direct dessus. Pourquoi elle fait, puis des fois elle fait pas? Oh, j'avais fait lui en haut avant. Ah non. Dans les murs, je savais pas. C'est une calice de tabarnak. J'entendais pas ça.
Charlie, comme toi. Il a tourné de ça, il m'a fait peur. Pourquoi il apparaît? Pourquoi il sort, puis pourquoi il sort pas? Il sortait avant qu'on avait le Kodak, ça n'a pas rapport. Ah. Raison. Le champ rouge. Salut Diablo Accélère, comment tu vas?
C'est là. Tu l'as terminé? Bon. Pourquoi le stress augmente de même? Tu pointes. Il marche-tu plus loin de plus en plus?
Ben. Sans doute, tabarnak. Salut, Samantha. Diabloxella, Angry Vinny. Et Charlie Nini, l'homme sans pénis. Et là, je comprends plus. Bon, on va commencer la prochaine mission. Non, c'était tout pour le live du jeu Visage, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh, yeah!